Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 335 et c'est l'occasion de parler d'un sujet d'avenir, de la tech. Et donc, qui mieux placé que Yannick Raffenel pour parler de l'EdTech? Et donc, et d'autant plus qu'il aura un deuxième sujet particulièrement intéressant, il va nous parler de Learning Show, qui est le premier salon régional en France. Et il s'y passe sûrement des belles choses et ça, il va nous le dire. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Ravi. Alors, comment va EdTech France? Donc, tu es président d'EdTech France, Yannick Raffenel. Comment va l'association? L'association EdTech France, qui est une association de filières, hein, qui regroupe toutes les entreprises qui travaillent dans le monde de l'éducation, de l'enseignement supérieur, du corporate learning ou de la formation professionnelle. Donc, ces quatre secteurs-là se sont regroupés maintenant depuis presque 6 ans dans cette association hein, qui est présidée par et administrée par un collège de 9 personnes. Et j'ai cette chance d'être à la fin de mon deuxième mandat qui va se terminer au mois d'octobre. Alors, Ah, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses déjà depuis la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler sur Radio AFEN, parce que d'abord, il y a eu des changements de délégué général, puisque nous Oui. avons, depuis le mois de juin l'an dernier, 2023, le plaisir d'avoir embauché quelqu'un d'extraordinaire qui est Oriane Ledroit, qui est donc notre délégué général. Mais l'activité de l'association est une activité avec beaucoup, beaucoup de dimensions et de responsabilités différentes, parce que c'est évidemment d'abord de servir d'interface avec les 3 ministères de tutelle avec qui nous parlons, le ministère évidemment de l'Éducation nationale, de l'enseignement sup et de la recherche, et le ministère du Travail. Ça, c'est un gros travail parce qu'à des moments où il y a besoin de faire évoluer les lois, les réglementations, mais aussi sur toutes les questions de budget, vous vous en doutez bien. Eh bien, c'est très important d'avoir un lien privilégié et de collaborer. Deuxième dimension dans nos actions, c'est de regrouper les adhérents, les regrouper pour déjà la convivialité et faire que les gens se connaissent, parce que si on veut que les gens travaillent ensemble, et c'est une responsabilité absolument essentielle de faire que tous ces acteurs, qui sont très nombreux, puisqu'il y a aujourd'hui 480 entreprises qui sont D'accord, adhérente. d'EdTech France, eh bien, travaillent ensemble pour consolider les actions, pour consolider les places sur le marché, pour consolider et aller à l'encontre de cet éparpillement. Eh bien, il faut déjà que les gens se connaissent. Donc, se connaître, eh bien, ça commence par de la convivialité, ça commence par de la cartographie et ça commence par tout un tas d'actions qui leur permettent d'apprendre à travailler les uns avec les autres. Alors, C'est où en est cette politique que tu avais lancée, initiée, de régionalisation, qui est une très très bonne idée pour ancrer dans les territoires. Est-ce que ça marche ou c'est pas du tout? Attention, si. Ce qui est très intéressant dans cette démarche que j'ai portée, incarnée, c'est que c'est quelque chose qui est indépendant de EdTech France. Alors, c'est vrai que c'est de confusion, D'accord. parce que c'est indépendant, parce que ce sont des associations régionales qui portent ce travail. Et ces associations, elles ont une utilité tout à fait complémentaire d'EdTech France. Pourquoi? Parce qu'elles doivent regrouper non pas simplement les entreprises EdTech, mais tous les acteurs, ceux et celles qui utilisent la EdTech, les organismes D'accord. de formation, les établissements d'enseignement supérieur, de recherche, les responsables formation des entreprises au niveau local. C'est pour faire que tous ces acteurs apprennent à travailler ensemble. Et ça, c'est une autre mission que celle d'EdTech France. Donc, EdTech France, de manière informelle, fédère et essaye de faire qu'il y ait de l'intelligence collective et des échanges entre toutes ces associations. Mais c'est vraiment une autre démarche et une autre responsabilité que celle de EdTech France. Et D'accord, on en dans connaît. notre responsabilité, on a aussi, eh bien, le fait d'avoir à embarquer et proposer des moments au sein des événements français et internationaux pour lesquels on facilite la présence des entreprises EdTech, surtout si elles sont petites, en faisant des corners, en montant D'accord. des villages EdTech France au sein de
Educatech, au sein de Learning Technology au mois de janvier, au sein du BET à Londres, par exemple, ou au sein du Salon des maires, comme ça s'est fait plusieurs fois. Le CES. Et le CES, alors ça, c'est une autre de nos, Ah bah très bien. une autre de nos activités, c'est d'embarquer des learning expéditions, des délégations sur des événements étrangers. Pas pour avoir des corners, comme je le dis, par exemple, sur LinkedIn, mais pouvoir vraiment embarquer ensemble des chefs d'entreprise. C'est quelque chose qui va se faire, par exemple, au mois d'octobre au Canada, à Québec, à Montréal, pardon, parce qu'il y a un gros événement qui s'appelle Montréal Connect, pour lequel j'ai l'honneur d'être invité pour pouvoir faire la conférence d'ouverture sur toute la dimension de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Et en même temps, eh bien, j'embarque une délégation d'entreprises EdTech qui vont aller à la rencontre de leurs homologues québécois, mais aussi des autres partenaires, des grandes écoles et universités québécoises et de tous ces partenaires qui peuvent les aider à aller aussi sur le marché Canada et aussi des États-Unis, parce que le Canada est une porte ouverte aussi vers Bien les sûr. États-Unis. Et on sera avec notre homologue qui est EdTechQ, Oui, c'est-à-dire EdTech Québec, avec leur absolument. nouvelle déléguée générale aussi qui vient d'arriver au mois d'août. Et c'est toujours la même présidente, je crois. Non, alors c'était Julie qui était la déléguée Oui. générale et Julie vient de passer la main maintenant Ah, très bien. depuis le. Depuis ce mois d'août, avec quelqu'un qui arrive d'une start-up québécoise, elle aussi, et qui connaît du coup très très bien ce milieu, mais Alors, nos qui. auditeurs l'ont déjà entendu, puisqu'on l'a interviewé, Julie, avec une vraie belle énergie, donc c'était vraiment passionnant. Une question technique, est-ce que tu trouves que, et donc je trouve ça extraordinaire vraiment ce que tu fais, le fait de prendre et de les amener, d'accompagner une learning expedition, parce que ça les sort, est-ce que tu trouves que finalement les tech avec les 450 membres que tu as, ils pensent assez le monde? Alors, très clairement, il y a deux segments. Il y D'accord. a ceux pour qui l'internationalisation est une obligation et ils sont déjà impliqués, ils sont déjà engagés, mais on va dire qu'il y a quand même très très peu d'entreprises hein, qui sont dans cette dimension-là. Elles sont pour Lesquels, la par plupart. exemple? Oh ben, du type, alors qui est-ce que je vais prendre? Open Classrooms, évidemment, puisqu'ils sont allés s'installer sur les États-Unis, sur le marché anglais en premier lieu, mais des entreprises qui viennent, qui sont à la fois françaises et belges, MyMOOC était comme un le cas. Alors, MyMOOC faisait des choses MyMOOC, comme ça. oui, je dirais plus RapidMOOC, par exemple. Oui. RapidMOOC y est depuis tout le temps aussi sur D'accord. l'international. Voilà des entreprises qui sont dans une. Mais on a maintenant aussi, on a Plume, par exemple, qui est sur le marché américain. Donc on a des éditeurs comme ça qui vont de plus en plus sur le marché américain aussi. Donc ça bouge, hein, ça bouge à ce D'accord. niveau-là. Après, on a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, pour l'instant, sont aussi sur des phases de développement où il faut d'abord asseoir le marché français D'accord. bien et faire sa place avant de penser international. Donc Beaucoup de start-up. oui, beaucoup encore de startups D'accord. qui sont sur des Très bien. phases de développement. C'est pour ça qu'on propose là maintenant des webinaires de formation avec des partenaires pour aller vraiment aider au développement, pour faire qu'il y ait du retour d'expérience, pour comprendre le marché de l'éducation ou le marché de la formation, comprendre qui sont les Très bien. bailleurs, qui sont les acheteurs, etc. Donc on fait beaucoup, beaucoup d'accompagnement maintenant pour les jeunes chefs d'entreprise ou de jeunes entreprises Bien sûr. et aussi maintenant, de manière plus segmentée, du support aussi pour ceux qui sont des gros acteurs, qui ont d'autres besoins et qui ont besoin avec un club des VIP qui est Oui. en gestation pour pouvoir faire que ces entreprises puissent, elles, avoir d'autres supports et d'autres services de notre part. D'accord, très bien. C'est malin, absolument. Donc, et l'idée que tu avais justement de redynamiser l'ensemble de la filière, de penser en filière. Alors, oui, là, actuellement, dans une période où financièrement, ça tire dur pour la EdTech, comme pour toutes les startups, hein, de manière globale, mais peut-être encore plus de manière spécifique pour les startups EdTech, du fait d'une baisse de la commande publique, hein, qui est extrêmement marquée, de l'absence quasiment maintenant
tout appel à projet, appel à manifestation d'intérêt, qui étaient quand même des moyens d'aller accompagner la recherche et développement, eh bien, cette nécessité de se consolider est plus vraie que jamais, c'est-à-dire apprendre à travailler les uns avec les autres. On a beaucoup de fusions-acquisitions qui ont lieu en ce moment et que pour lesquelles aussi on essaye d'accompagner ça en apportant des services, en apportant de la connaissance, en apportant justement ces relations entre les entreprises pour les aider dans cette démarche-là. On préfère voir des entreprises françaises qui se regroupent plutôt que de les voir se faire acheter par des acteurs étrangers qui souvent finissent par phagocyter l'entreprise française Il et récupère le la... fichier pour l'exploiter, c'est oui. Mais, et c'est facile pour des entreprises qui ne sont pas de très grande taille, où il y a beaucoup d'affect, de se dire on collabore. Les gens se disent je veux plutôt un peu tirer la couverture à moi, souvent c'est ce qu'on voit aussi. C'est Alors, facile. c'est non, facile, ça serait vraiment mentir de dire que c'est facile, mais le principe de réalité les amène quand même à envisager ça très sérieusement. Et ça commence par une étape fondamentale qui est d'aller développer des API, des API, c'est-à-dire réussir à faire que les outils qu'ils développent soient compatibles les uns avec les autres, utilisent les données des uns des autres, s'interfacent, et c'est la porte technique essentielle au départ. Et là, il faut un médiateur et Tech France joue ce rôle. Tout à fait, et les missions que l'on a aussi au travers de la formation sur le Gard, par exemple, pour que ceux qui s'adressent aux scolaires soient, entre guillemets, garifiés, que tous ceux qui ont comme ça besoin de normes eh bien, puissent s'y retrouver et apprendre vraiment à collaborer mieux techniquement aussi, technologiquement même. Donc, tu vois l'avenir de les grands chantiers de EdTech France, tu vois comment? Alors, des magnifiques chantiers, parce que je parlais de l'arrivée d'Oriane, mais l'an dernier, au mois de septembre, est Alors, arrivée. ça serait bien qu'Oriane puisse venir, comme ça on la connaîtrait, et on la Ah ferait oui. connaître à nos, avec plaisir, ce qui nous fait le Oui, lien. oui, oui. Il y a aussi Geoffrey Renaud, qui est venu pour s'occuper, depuis le mois de septembre l'an dernier, des partenariats et de l'animation de la communauté, et avec un gros volant d'action sur les partenariats, c'est-à-dire Très pour bien. pouvoir rentrer dans l'écosystème, non pas en tant qu'adhérent, mais en tant que partenaire, les grandes écoles, les établissements d'enseignement supérieur et d'autres entreprises qui sont des commanditaires de la ETHEC et qui ont besoin d'avoir une vision apportée par ETHEC France et par nos membres au niveau de leur COMEX, au niveau de leurs décideurs. Donc ça, c'est un énorme travail qui aussi consolide les moyens de l'association, qui, encore une fois, n'est Donc pas concrètement, surchargée. ça veut dire que tu fais des conférences d'acculturation ou de choses comme ça? Oui, et absolument. Donc si je le reformule, si des responsables de formation dans leur convention en fin d'année, souvent c'est le cas ou en début d'année, ont envie d'avoir un panel, une cartographie de ce qui bouge dans la tech, en formation, ils peuvent Tout appeler à fait. quelqu'un? Tout à fait, tout à fait, tout à Très fait. bien. Nous demander d'aller d'aller faire de l'idéation en ayant sélectionné plusieurs entreprises qui vont elles être chacune porteuse d'une dimension différente, etc. Bref, voilà, ça c'est vraiment notre Très bien. travail. On sait bien le faire. Et depuis le 1er septembre, nous avons Valentina Renaudot qui vient d'arriver nous retrouver. Valentina, on la connaît bien parce qu'elle était VIE pour ETHEC France via Business France pendant 2 ans sur l'Amérique latine. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de la ETHEC et qui arrive pour s'occuper de l'événementiel et de l'animation de la communauté de nos membres. Et qui, par exemple, a un magnifique projet de faire une radio ETHEC France, ou en tout cas un média ETHEC France, plus Très qu'une bien. radio. Un média ETHEC France, c'est-à-dire d'aller valoriser aussi beaucoup par l'image tout ce que savent faire nos adhérents qui sont vraiment à la pointe en termes de R&D et ont beaucoup de choses à dire et à montrer. Exactement, parce qu'il y avait déjà un podcast qui avait été lancé.
en Oui, 2018, je crois, ou 2019, tout à fait. et donc qui existe toujours un peu, qui de temps en temps Non, produit, non il a plus été mis tout. de côté. Non, non, Ouais, depuis 1 an et demi, il c'est s'est ça, il me arrêté son semblait. podcast. Je voulais pas être désobligeant en Mais disant qu'il ne marchait plus. ça va être, il avait très, très bien fonctionné. Ça Oui. demandait, il y avait trop de travail. Bien C'était sûr, bien sûr. une seule personne, c'était pas possible de tout faire. Et là, maintenant, ça va plus être simplement du podcast. Ça allait beaucoup plus loin. Je pense que ça va être beaucoup plus sous de la forme vidéo. Voilà, ça va être dans la feuille de route de Valentina. Ah, très bien, bravo. Et donc derrière, c'est tout un travail avec la communauté à l'extérieur, sur du Instagram, sur du TikTok, suivant les cibles ou Tout à fait, Snap. bien entendu. Bien sûr, très bien, très très beau projet. Donc, une nouvelle équipe. Alors, question, peut-être que tu ne veux pas répondre ou que tu ne peux pas. Tu arrives en fin de mandat, tu renouvelles ou pas? Alors, je n'ai pas le droit de renouveler. Nos statuts sont Ah, très d'accord. stricts pour favoriser le remplacement, plutôt pour favoriser la dynamique, parce que la vie et le dynamisme d'une association vient justement du fait du renouvellement et de l'implication de ses membres. Eh bien, je n'avais le droit de faire que 2 mandats. Donc, j'arrive Deux vraiment à mandats d'un an chaque fois. 2 mandats de 2 ans. Donc, Deux ça ans, fait. pardon. Voilà. Et donc, nous sommes une association extrêmement démocratique où nous avons voulu, depuis l'origine, faire qu'il n'y ait pas de liste et donc de scission dans l'association. Il n'y a pas de liste qui se présente. On a des individus qui se présentent au conseil d'administration. Très bien. Il y a 2 ans, il y avait 35 candidatures. 9 ont été élus au conseil d'administration et c'est au sein de ce conseil d'administration que sont après élu le président, la secrétaire, le secrétaire, le trésorier. Et bien là, jusqu'au 30 septembre, il y a tout ce process de déclaration de candidature qui est ouvert et on est actuellement en train de recueillir les professions de foi vidéo qu'on a demandées à chacun des candidats et candidates. Et entre le 1er octobre et le 16 octobre, il y aura les votes qui se feront en ligne avec une assemblée générale le 16 octobre au soir pour pouvoir savoir qui seront les élus et on saura dans la semaine Bien sûr. suivante qui sera le président ou la présidente ou co-président, puisque je rappelle, moi il y a 2 ans, ou il y a 4 ans plutôt, à mon premier mandat, j'avais dit OK, je veux bien être président à condition qu'il y ait une parité et qu'il y ait une co-présidente avec moi qui était Mélanie Viennot, qui est maintenant la CEO du projet du groupe Voltaire, pardon. Très très bien. Donc bravo. Donc on interviewera aussi le nouveau président pour voir ses nouvelles idées. C'est intéressant aussi d'avoir les gens au début pour dire voilà ce qu'on aimerait faire. Puis après, Ah, bien bien sûr, sûr. le principe de réalité. Mais c'est toujours, j'aime beaucoup cette énergie de démarrage. Alors toi, de quoi tu es le plus fier? 4 années, c'est long quand même. On peut faire plein de belles choses. Qu'est-ce qui est dont tu es le plus fier? Oh, alors, déjà, que l'association qui était toute jeune, qui avait juste 2 ans quand je suis arrivé, qui venait de vivre la crise du Covid et pour laquelle, alors que je n'étais même pas encore même membre de l'association, nous avons monté avec Rémi Chal Oui. et avec des partenaires membres qui sont EdTech. Avec Alexandre Lecte, avec son collègue Massé, nous avions fait la plateforme Solidarité et Tech, qui avait mis en place, en même pas une semaine, mis en ligne 350 ressources gratuitement pour que tout le monde puisse continuer à travailler. Ça a été comme quelque chose d'assez extraordinaire. Mais quand j'ai pris la présidence, nous n'étions même pas une centaine d'adhérents. Donc, passer de 100 adhérents à 480, c'est quand même une sacrée progression. Mais c'est surtout comment est-ce que les choses se sont outillées. On est resté dans l'amateurisme, on est resté dans l'artisanat pendant longtemps. Maintenant, nous avons une association qui est parfaitement structurée, organisée, avec un travail de veille, avec un travail vraiment. Tout à l'heure, je recevais la veille simplement sur l'événementiel qui va arriver sur le mois d'octobre, envoyé justement par Valentina, et je vois dedans qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 événements dans lesquels nous allons intervenir Ouais, c'est autour de énorme. la high-tech au mois d'octobre. D'accord? C'est juste pléthorique.
Le fait d'avoir réussi à construire des réseaux de communication qui nous permettent de collecter ces informations-là, de les distribuer. On a maintenant plus de 22 000 followers sur LinkedIn qui suivent les publications faites par France. Tous ces éléments-là, vraiment, ont structuré, ont légitimé notre place comme association représentante. Et c'est vrai que maintenant, nous avions fait un très gros travail, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour pouvoir faire avancer quelque chose qui nous tient énormément à cœur autour du contre-source. Mais six ministres différents en cette année, ça ne facilite pas le travail. Clairement, là-dessus, on ne peut qu'être tout à fait déçu parce que, pour l'instant, tout reste sous forme de promesses et rien n'avance. Et ça, ça fait partie quand même des points d'achoppement. Par contre, notre identification en tant qu'interlocuteur au Bien niveau du sûr, c'est ça. ministère, le fait que, avec tous les partenariats qu'on peut avoir avec Centre Info, par exemple, sur l'université d'hiver de la formation professionnelle, en tant que fédérateur sur ces gros événements avec e-learning technologie et Educatech, dans lesquels on arrive vraiment à donner une visibilité. Cette année, par exemple, tiens, petit scoop, eh bien, sur learning technologie, on a réussi à obtenir que une matinée va être consacrée à l'enseignement supérieur. Chose D'accord, absolument fondamentale, puisque il y a l'éducation avec Educatech, il y avait la formation pro avec Learning Techno, il n'y avait rien spécifiquement sur l'enseignement supérieur. Eh bien, c'est un essai et qui va, j'en suis sûr, être transformé, qui va nous permettre d'aller donner cet espace au sein de la formation professionnelle, puisque la formation tout au long de la vie, eh bien, elle fait tomber la frontière qu'il peut y avoir entre enseignement supérieur, formation professionnelle, quand on voit même toute l'offre d'executive education qu'il y a au niveau des grandes écoles et qui s'adresse à la formation professionnelle aussi, et on voit qu'il est temps de réunir tout ça, et bien ça y est, on y arrive. Oui, exactement. Faire des Français. synergies. Donc, c'est formidable. On est partenaire aussi de Learning Technology. On y sera présent. Donc, on aura l'occasion de se voir aussi avec plaisir, puisque je crois que j'ai fait une conférence. Donc, mais c'est vraiment des moments où il faut décloisonner pour que les gens apprennent à se connaître et finalement prennent des synergies pour pouvoir chacun apporter, garder sa couleur, mais s'enrichir de celle des autres. Donc, je trouve que c'est une très, très belle démarche que tu fais là, ce qui n'est pas toujours très facile parce que chacun reste dans son couloir. Et donc, il faut des gens qui aident à faire la médiation. Tout à fait, tout à fait. Et c'est clairement mon rôle et c'est là-dessus où, et bien après que je sois sorti de cette responsabilité légale d'être président de la Tech France, je vais poursuivre dans ces démarches parce que j'ai cette chance d'être commissaire maintenant du Salon de Learning Technology et donc de pouvoir de l'intérieur aller influer et faire que les choses, mais avec la bonne oreille aussi de Vianney Thomas qui comprend bien ses arguments. Donc les choses bougent et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors dans les réussites, c'est aussi vraiment de toutes ces actions de formation que nous faisons, ces webinaires qui sont extrêmement appréciés par les membres, hein, de découverte du marché, de comment lever Et des fonds. tu as vu des adhérents qui ont vraiment profité du système, qui sont partis petits, avec plein d'énergie, qui sont devenus grands? Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de bien bien grossir. Je vais prendre par exemple Bidiz. Bidiz, qui était tout petit, Disent, ils font quoi? et qui font une plateforme de formation via le mobile. Donc on est vraiment sur du mobile learning qui sont en train actuellement de prendre une très 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 belle place. Mais c'est Knowledge qui est en train de rafler tous les prix depuis un an et demi avec l'IA dans la production de ressources et qui était vraiment toute petite, issue des laboratoires de recherche et qui est maintenant une entreprise qui est connue, reconnue et qu'on a vraiment accompagnée pour gagner les GESA, pour aller gagner les GESA internationaux à Londres, etc. Et qui sera sans doute aussi au Canada avec moi dans 3 semaines. Donc voilà, oui, heureusement, on a des belles success stories qui sont en train de s'écrire et qu'on accompagne très sérieusement. Donc très très bien. Alors qu'est-ce que tu vas faire après? Ah Sur ben, une fois que tu es libéré?
Ce temps bénévolat, puisque tout ça c'est du bénévolat, hein, faut le rappeler, Bien hein, eh bien, faut savoir, moi, entre le Learning Show et ET France, j'ai depuis 4 ans, et pour le Learning Show plus que ça, donné 70% de mon temps. Hein, donc, je vais gagner du temps, oui, je vais récupérer du temps, c'est certain, qui va me permettre d'aller toujours travailler sur le Learning Show, parce que on va en parler, mais l'événement se transforme et évolue aussi en termes de et notoriété et de dimension, et continuer quand même à travailler sur moi, mes gros projets qui nécessitent beaucoup de temps, à savoir, je suis toujours le coordinateur d'un magnifique projet qui s'appelle Bien à l'école, qui était lauréat de l'AMI Innovation Forme Scolaire et qui réunit 8 académies, 24 partenaires au total avec 15 boîtes EdTech et qui travaille pour prévenir le décrochage scolaire et qui, avec autant de monde, ben, nécessite une grande coordination, de la communication et tout ça. Et donc quelque chose qui, toujours dans mon rôle de rassembler et de valoriser les individus et les organisations, me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et voilà, et je pense aussi être de plus en plus sélectif sur les projets que j'accompagne. J'ai cette possibilité, ce luxe de pouvoir choisir avec qui je travaille et sur quel type de projet, et pouvoir écrire aussi, parce que je suis de plus en plus sollicité pour pouvoir aller rédiger. Je suis en train d'écrire le nouveau dans la nouvelle version, nouvelle édition, pardon, du grand livre de la formation écrit par Michel Barabel. Eh bien, tous les chapitres autour de la tech, tout ça prend du temps Bien et sûr. c'est passionnant. Exactement. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait parce que tu es un ami de la FEN et donc tu as toujours répondu présent. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important dans un écosystème où souvent les gens, quand ils sont dans leur association, se disent une association à côté, ben, chacun chez soi. Donc, c'est vraiment un bonheur de pouvoir justement faire des passerelles de façon à ce qu'il y ait des synergies qui se dégagent et avec les techs, ben, faire connaître aussi ton regard. Et avec le temps, les gens t'apprécient dans la durée. Donc, ça, merci beaucoup dans tout ce que tu as fait pour nous. Alors, justement, on en parlait. Learning Show. Rappelle-nous ce que c'est de Learning Show. Le Learning Show, c'est né il y a 7 ans et c'est né sur un constat. Justement, le constat de ces silos entre ceux qui font de la formation, ceux qui font des outils pour la formation, ceux qui sont responsables de formation, ceux qui financent la formation, ceux qui font de la recherche. Tous ces gens-là ne se rencontrent jamais. La seule réponse est une réponse commerciale avec des salons commerciaux et nous voulions faire un événement qui permette de favoriser l'échange des pratiques, parce que nous croyons beaucoup à l'intelligence collective. Et comme moi, en tant que formateur depuis plus de 30 ans, je crois à la pédagogie active, au learning by doing, faire en apprenant ou apprendre en faisant, eh bien, nous avons voulu faire un événement qui soit un anti-salon et un Très bien. anti-TEDx. Donc ça, c'est revendiqué depuis la première Très année. bien sur le principe, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce ne sont que des ateliers immersifs expérientiels. Nous avons cette année plus de 100 ateliers qui durent 1 heure et quart tous, qui sont animés à chaque fois par un intervenant. Il y a 130 intervenants cette année au Learning Show. Et cet intervenant va faire vivre une mise en situation à un public qui peut être de 20, de 30, de 40, de 60 personnes, qui vont se mettre dans une posture d'apprenant. C'est-à-dire que nous n'avons que des professionnels de la formation, puisque nous n'ouvrons ça qu'à des professionnels, qui D'accord. vont vivre une situation d'une heure et quart, allez, 1 heure, et après il va y avoir un quart d'heure pendant lequel on va échanger pour pouvoir voir comment, en tant que professionnel, on se réapproprie ce qu'on vient de vivre pour pouvoir faire vraiment du feedback, de l'échange, etc. Ça, c'est la première des dimensions du Learning Show qui est vraiment l'essence même. La deuxième, c'est que on s'est rendu compte aussi que il y avait des sujets pour lesquels c'était des sujets complexes qui ne pouvaient pas être adressés sous forme d'atelier. Et nous ne voulions pas faire de table ronde. Qui n'ont de table ronde
que le nom, parce que ce sont des brochettes où les gens parlent les uns après les autres. Exactement. Donc, nous avons mis en place, et c'est quelque chose qui me tenait fortement à cœur, intervenant régulièrement aussi sur Sciences Po, sous forme de controverse. Controverse, ça veut dire que je vais chercher avec l'équipe des intervenants qui ont des points de vue différents sur une question, et non pas pour qu'il y ait un combat et une lutte, pour qu'il y ait, animé par un journaliste animateur, tout le monde étant debout sur une scène, un vrai échange de points de vue, parce qu'il y a beaucoup plus de richesse dans le dissensus que dans le Bien sûr. consensus, et que le public est le quatrième mur. Il peut intervenir à tout moment, il peut poser des questions, donner son avis. Bref, c'est quelque chose d'interactif qui permet d'aller approfondir des questions de fond. Je vais prendre cette année, par exemple, dans les sujets qui sont traités dans les controverses, parce qu'il y a 7 controverses, Très bien. autant qu'il y a de créneaux pour les ateliers. C'est-à-dire qu'il y a à tout moment 14 ateliers différents et il y a à tout moment 7 controverses, pardon, à tout moment une controverse. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, la formation est-elle un poste de coût, une charge ou un poste de développement stratégique de l'entreprise à l'heure des grandes transformations? Première controverse. Deuxième, comment mobiliser le corps comme vecteur du développement des individus apprenants et citoyens? Troisième, est-ce que le digital va être cause d'exclusion ou d'inclusion? Quels sont les moyens de compensation qui déresponsabilisent les organisations? Ou alors, comment faire concevoir des dispositifs de formation qui soient accessibles? Etc., etc. Exactement. Mais j'aime beaucoup l'idée parce que je trouve que sincèrement, on participe tous les deux à beaucoup de débats, de tables rondes, de prises de parole. Les gens sont politiquement corrects, donc ils sont langue de bois. La formation, c'est important, on répète les mêmes mots tout le temps, alors que derrière, il faut creuser. Et justement, dans le débat, ça oblige chacun à étayer ses arguments et ça permet au public en face de se dire, ben, je choisis mon champion et donc tout va Je me fais bien. mon point de Ben, vue. Je me exactement. construis moi-même mon point de vue. Il n'y en a pas un qui a tort, Exactement. un qui a raison, mais moi, je prends les arguments des uns des autres et j'avance. Et c'est comme ça que je grandis dans ma manière de percevoir les choses et de me faire ma Complètement, propre c'est opinion. exactement ça. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on a, de par l'histoire même de la formation professionnelle en France, c'est beaucoup administré. Dans ces cas-là, on a pris un langage qui est un langage convenu et contenu, alors qu'en fait, il faut prendre des prises de position parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui bougent qu'il faut dire ce sur quoi on pense que ça peut être cohérent et les gens après nous soutiennent, trouvent que l'idée est intéressante ou à creuser plus tard, etc. Donc, bravo. Absolument. Et par exemple, moi, il y a une des controverses qui me tient mais vraiment beaucoup à cœur, pour laquelle je voulais que ce sujet-là soit traité, c'est alors que l'adaptive learning crée des bulles algorithmiques qui provoquent un individualisme forcené, comment développer les soft skills dans toutes les formations? C'est-à-dire, comment est-ce que l'on peut dénoncer aujourd'hui le fait que d'aller tellement loin dans l'adaptive learning, on est en train de tourner le dos à quelque chose de fondamental qui est d'apprendre avec et par les autres, parce que les gens vont Exactement. travailler avec les autres et que si mettre de l'IA et mettre de l'adaptive learning fait qu'on enferme les apprenants dans des bulles telles qu'ils sont déjà enfermés dans des bulles par les réseaux sociaux, on court à la catastrophe au niveau sociétal. Exactement. Donc c'est là où justement il y a ces communions apprenantes qui se dessinent. Et donc c'est une nouvelle forme de pédagogie qui sort de l'émiettement des apprenants. C'est Tout à fait. exactement ça. Donc tous les auditeurs qui ont la gentillesse de me lire savent que c'est aussi une de mes marottes parce que je crois que c'est important. Et c'est le rôle des sociétés, des entreprises, des organismes de formation de recréer du social et du lien sur de la proximité avec les gens et une identité, qu'elle soit professionnelle, Absolument. absolument. Donc il y a plein de choses à faire. C'est passionnant. Et alors, la troisième dimension du Learning Show, Oui, c'est pardon. que, et alors encore plus depuis la crise du sanitaire, c'est que tous les participants, et cette année, ils vont être plus de 1 000, comme l'an dernier, nous sommes à guichet fermé. Eh C'est bien, vrai qu'il faut. Alors, il y a un droit on oui, paye un morceau. il faut acheter sa place parce que c'est une Combien? invitation. Ça coûte 250 € pour les 2 jours avec la restauration, puisque D'accord. justement, on y vient. C'est que on s'est rendu compte que tout le monde vient aussi au Learning Show pour rencontrer ses pairs, pour échanger avec ses pairs. Et que donc, cette dimension de la convivialité, elle est fondamentale.
Et la convivialité, ça ne se décrète pas, ça s'organise. Voilà pourquoi, au niveau du Learning Show, il y a des canapés, il y a des salons, il y a à boire et à manger pendant les 2 jours. Parce que, Très il y bien. a une demi-heure entre chacun des ateliers. Et le soir, le premier soir, ça se termine à 18h30. Mais derrière les ateliers, jusqu'à 21h30 ou 22h, il y a une soirée culturelle, artistique, avec un cocktail et de quoi manger et de quoi se vraiment prendre le temps pour parler avec les autres. Tout le monde attend ça. Ce qui est très Très bien. intéressant, c'est que tous ces gens qui viennent au Learning Show, ils viennent plus que la moitié de toute la France, de Belgique, de Suisse. Et cette année, en plus, il y a une dimension qu'on a mise qui est parce que ça fait partie, là je reprends ma casquette de président de la Tech France, depuis les 4 ans je me bagarre autour de ça, qui est de dire que nous avons une responsabilité, une nouvelle fois sociétale, à accompagner, à non pas venir aider, mais à venir travailler avec tous les acteurs de l'éducation, de la formation, du monde francophone, pour qui ces enjeux d'éducation, de formation sont absolument clés. L'Afrique est le plus grand pays, le plus grand continent francophone. Et eux ont beaucoup de choses à nous apprendre sur la low-tech, sur des manières d'apprendre différentes des nôtres. Et nous avons, nous aussi, des choses à leur partager. Eh bien, cette année, j'ai obtenu, en allant chercher avec l'équipe, le soutien de l'AFD, qui nous a permis de financer la venue de 15 intervenants en provenance du Sénégal, en provenance de Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et de Madagascar. Et ces 15 personnes vont venir faire vivre des ateliers basés sur les pratiques de ce qu'ils mettent en œuvre dans leur pays, et ça va être quelque chose d'absolument passionnant. Absolument. Et je t'invite d'ailleurs, donc très très beau projet, je t'invite à voir ce que fait l'Institut de l'Africanité de Soufiane Trimousse, qui fait une fois par an, je crois, les rencontres de l'Africanité, où justement il essaye de mixer à la fois dans les tech africaines, des Africains qui parlent aux Africains, des Africains qui parlent aussi aux Européens, parce qu'il faut sortir aussi de son territoire. Mais c'est vraiment passionnant de voir comment est-ce que on parle de low-tech, mais on parle aussi d'edtech, parce que c'est pas que des. On a aussi des a priori quand on les regarde de loin. Donc je trouve ça vraiment intéressant, même pour soi, en termes d'identité, d'aller se réinterroger avec tous les gens que tu as invités, parce que ça permet de sortir des clichés dont on. Des facilités intellectuelles qu'on peut avoir sans les critiquer, mais ça permet de se réactualiser et de trouver plein d'idées passionnantes, de voir comment les Africains nous voient. On est souvent très surpris de la façon dont ils nous regardent et c'est vraiment très enrichissant, vraiment. Super, ben je vais aller voir ça. Je ne connaissais Voilà. pas du tout. Absolument. Donc, et ce sont des gens qui sont très bien implantés, qui font aussi bien l'entreprise que l'enseignement supérieur, où ils sont très, c'est là un peu leur point fort, ainsi que l'éducation. Donc, ça correspond complètement à la cible qui est la tienne. Donc, C'est dessus, excellent. je ferai le lien si tu le désires. En tout cas, Oui. bravo dans tout ce que tu fais. Si on finit l'année, tu te dirais quels sont les gros chantiers que tu as pour les boîtes qui veulent travailler dans la tech, tu dirais c'est quoi les gros chantiers à venir? Alors, pour moi, il y a un sujet qui est vraiment le sujet totalement passionnant. Évidemment, pendant 1 an et demi, on a tous parlé, pensé, rêvé que d'IA générative. OK? Voilà. On était dans le J'étais pas sûr, défrichage. j'attendais. Très On bien. était dans le défrichage de tout ce que la techno allait permettre de faire. Nous arrivons maintenant à une époque de maturité où l'enjeu n'est plus un enjeu tech, mais un enjeu éthique, un enjeu social, un enjeu d'usage, un enjeu de souveraineté, de régulation, de calcul de pourquoi mobiliser l'IA générative, qu'est-ce que ça va me faire gagner, qu'est-ce que je vais faire du temps gagné et qu'est-ce que ça représente réellement. Et en plus, l'IACT arrivant amène ces contraintes au bon moment où on est dans cette prise de recul pour aller se poser ces questions-là. Et c'est vraiment un moment très important, très intéressant pour sortir de l'euphorie des jeunes chiens qui découvrent tout, pour maintenant aller se poser des belles et bonnes vraies questions.
Et voilà, pour moi, ça, c'est vraiment l'enjeu de 2025, hein, là, de cet hiver et l'entrée de 2025, avec, je le vois, énormément d'entreprises qui disent, OK, ça y est, on a compris, on peut intégrer des choses, et très bien, c'est un vrai booster, c'est un vrai catalyseur, exhausteur de goût, je dis, moi, l'IA générative. Toutes les boîtes qui se sont lancées autour de l'IA générative, en voulant s'appuyer dessus, mais qui n'avaient rien comme fondement avant, vont disparaître. Il va y avoir de la casse, beaucoup de casse. Sûr. Et tant mieux, parce que c'était de la tech sans du fond. Et pour les autres, ça va leur permettre de replacer le curseur au bon endroit. Quelle est la valeur ajoutée de l'humain? Et parce que ça va me permettre de faire la boucle en même temps, c'est le sujet du Learning Show en disant. Si on a parlé beaucoup l'an dernier d'IA générative, l'année d'avant de XR, etc., eh bien cette année, on va aller adresser quelque chose qui est incontournable, qui ne sera jamais délégable à la tech, l'humain, le corps et les émotions des apprenants. Très bien. Sachant aussi que derrière, alors d'abord, on a un bel écosystème dans l'IT, que ce soit Miracle, que ce soit avec Mistral ou Qtie, qui fait de très, très, très belles choses. Donc, on a vraiment un écosystème modeste par rapport aux États-Unis, bien sûr. Mais en tout cas, on a un écosystème français, donc qui est grâce à Xavier Niel, qui fait de très belles choses. Donc, ça, il y a des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, et je suis complètement, c'est que les gens sont sortis de la sidération, même si ça existe encore. On voit des choses extraordinaires qui sortent et les gens se disent waouh! Et donc, la sidération, ça empêche de penser. Et maintenant, il faut repenser pour revenir à la stratégie en se disant qu'est-ce que je veux en faire de tout ça? Voilà. Et Absolument. c'est là où tu disais avec justesse, les gens qui, c'est un exhausteur de saveur à condition d'avoir de la saveur. Eh Les ben gens oui. qui, voilà. Et donc, il faut la reconstituer. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour se dire, c'est des domaines qui. Vous faites toujours des meet-up ou des choses comme ça où les gens peuvent venir vous voir. Pour le pour ETEC France? Alors, pour EdTech France, alors on a vu que si vous voulez avoir une synthèse et puis pratiquer surtout Il faut déjà des outils. qu'il s'abonne à la newsletter parce que la newsletter elle est Ah, très gratuite pour bien. tout le monde et là-dessus D'accord, il n'y a pas très besoin bien. d'être adhérent. Et Ça, qu'est-ce qu'il y vraiment, a dessus? toutes les nouvelles, toutes les tendances, Ah, très toute bien. l'actualité du domaine. Hein. Donc là-dessus, il y a vraiment, voilà. Et pour le Learning Show, eh ben, on a fait un meet-up, on a fait un webinar, pardon, on a fait un webinar il n'y a pas longtemps de présentation de tout ça. Mais allez sur le site, hein, learning-show.com, vous allez voir, ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Et vous allez rencontrer ben, tous ceux avec qui vous avez l'habitude de travailler, découvrir plein de gens passionnants, passionnés. Voilà, donc Quand tu c'est dis c'est les professionnels de la formation, ça veut dire que les responsables de formation peuvent venir ou c'est que des formateurs ou des organismes de non, non, formation? c'est des formateurs, des responsables formation, des responsables d'organismes de formation, des L&D managers, des financeurs de la formation. C'est vraiment D'accord. tous qui sont concernés par ces questions. Donc c'est formidable. Et le sujet est passionnant. Quel homme on choisit? C'est le sujet qui n'est pas toujours très facile parce que tout le monde en appelle à l'humain. Mais une fois qu'on a dit ça, où tout le monde est d'accord, vu que ça ne veut rien dire, c'est quel humain de quel humain on parle, l'humain qui est dans les émotions, dans la relation, dans la raison, comment est-ce qu'on mixe tout ça? Et ça, c'est vraiment une question sociale et certains disent sociétale sur les concours. Donc, c'est vraiment passionnant et il faut se frotter aux gens. Montaigne disait qu'il faut se limer les esprits. Donc, c'est un bel espace pour limer les esprits. Merci d'avoir été à l'origine aussi de ce projet. Donc, tu es un créateur, tu es un créatif. Oui. Et un fédérateur, un créatif, et voilà pourquoi je continuerai, quoi qu'il arrive, pourquoi arrêter de faire ce que l'on aime faire. Exactement. Et surtout quand c'est utile, voilà, en plus. Merci beaucoup Yannick. En tout cas, c'est avec plaisir que on a pu échanger en tant que président. Ça sera la dernière fois, mais on aura Tout à l'occasion fait. d'échanger sur d'autres projets. L'antenne t'est ouverte, donc. Oui, et je suis en train de travailler sur la programmation du Learning Show 2025, évidemment, puisque je vais présenter et tester auprès de tous les participants les 6 ou 7 thématiques du Learning Show 2025 qui sont en train de s'assembler. Ah ben très très bien. Donc n'hésite pas à nous solliciter, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bye.